Madame Christ Amaya, coach de la réincarnation de Jésus-Christ, ça c'est pas mon niveau, c'est pas mon problème. Mais si tu veux dire de Dieu, ça c'est ton problème là-bas. Depuis que tu fais des trucs sur les réseaux sociaux là, tu n'as jamais vu bouille de chinois sur toi. On t'a jamais adressé la parole. Mais toi-même en âme et conscience là, tu sais qu'il y a des personnes ici là, qu'on appelle les frères de Dieu Arafat, qui sont les plus fous de la Côte d'Ivoire. Ça au moins tu sais. Ça, au moins, tu sais, nous là, on a tout accepté en fait, Dieu Rafato. On est mouton, on est illettré, on est microbe, on n'a rien, on est des vagabonds. Nous, on a tout accepté ça. On dit, nous, on est sud, on a accepté ça. Donc, madame, tu ne peux pas savoir tout ça, hein, et puis venir faire des révélations bidons à la con, et puis, non, c'était pour te regarder. Moi, je peux un PD, hein. Moi, je peux un PD. Moi, je peux un lâche. Tout le monde, ils ne vont pas te répondre. Moi, seulement, je te réponds. Parce que même l'homme qui n'est pas toi, qui veut salir l'image de mon président, moi il répond. Moi je fais mon devoir en tout cas. Appelle les autres, je ne connais pas pour eux. S'ils veulent regarder, s'il ne faut pas vous parler, moi je m'en fous de ça. Mais il n'y a pas les foutaises. Le moine était vivant. Vous l'avez persécuté matin, midi, soir. Vous avez fait des faux trucs contre lui matin, midi, soir. Il est descendu encore, vous avez recommencé à voir moi une bêtise quand j'étais pour vous regarder. Parce que quand j'ai compris à voir des histoires, c'était pour vous regarder là. Là, parce que vous dites trop la vérité en fait. C'est ça qui m'énerve à faire mon direct. Voilà. Moi, c'est le mot Fouadjé. Fouad, qui tu veux? Tu t'attaques à mon président, moi, tu réponds. Et puis, assume les conséquences. Donc, madame, tu nous fais croire que nous t'as regardé de Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu connais Dieu même? Par exemple, Jésus, là, lui, connaît Dieu. Mais est-ce que toi-même, à qui tu te fais appeler réincarnation de Jésus-Christ? Est-ce que toi-même, tu connais Dieu? Hein? Dieu même dit, personne ne doit juger son prochain. Je ne suis pas venu te parler, en fait, parce que tu dis Arafat n'a pas construit. Parce qu'il a fait comme ça satanique, parce qu'il a fait comme ça démoniaque, il devait faire comme ça, il devait faire comme ça, pour n'a pas pu faire quelque chose sur l'argent. Je ne suis pas venu pour te répondre dans ce sens-là. Hein. Je suis venu te répondre. Quel que soit ce que Arafat a fait là, toi, tu n'es personne pour le juger. Quel que soit ce qu'il a fait, toi, tu n'es personne pour le juger d'abord. Ça, c'est le premier point. Même s'il fait là, il n'aura pas dû donner son âme à Satan. Toi, là, tu n'es personne pour le juger. C'est sa vie. C'est sa vie. Il fait ça qu'il fait, ça fait ce qu'il veut. Après le jugement dernier, le père, il ne faut pas dire juger chacun pour tes actes. Mais tu viens de faire la révélation devant nous. Non, on a fait quoi? Bon, que tu dis la vérité, on a fait quoi? Il a fait pas gagner les diables, on a fait quoi? Son ancien PDF fait ça, on a fait quoi? Il n'a pas construit une maison. Mais là, non, tu veux, on a fait quoi pour toi? On a fait oui, elle a la vérité. C'est ce que tu cherches quoi? Son nom s'en fout de ça. Hein? Ou bien, c'est ce que tu as dit là, nous, en tant que Chinois. On dit, ouais, Arafat, dans ça, c'est fait ça, enquête de lui. Dis-moi. C'est pas une vieille mère que tu n'as jamais dans un moment de chinoiserie. Et comme c'est la première fois, là, je vais te parler en mot dosé, sans t'insulter. Mais si tu as répété ça deux fois, là, quand elle sera, tu n'as pas à croire. Quand elle sera, tu n'as pas à croire. Arrête de foutre des gens, nigga. Tes révélations sont fous de ça. Arafat, mais, débordons, elle est là, hein. C'est pas pour le dénigrer, mais Debodo est là, hein. Vétu est là, c'est là, hein. Ça fait combien d'années ils chantent? Eux tous ont fait ce genre en Côte d'Ivoire, là. Ils ont construit quoi? Ils ont quoi dans leur vie? Ils ont quoi dans leur vie? Arafat, c'est leur petit frère. C'est leur bébé. Arafat, c'est leur bébé. Debodo, il a presque 65 ans. Vétu, là, il a 86. Mais ils n'ont rien réalisé dans leur vie. Pourquoi ils ne font pas de façon sûre? Pour là, c'est quoi? C'est trop normal. Laissez le petit tranquille. Il a accompli sa mission. Il est parti. La seule personne qui peut le juger, c'est Dieu. Vous là, enlevez votre bout sur lui. Enlevez votre bout sur lui. Depuis, il est vivant. Vous êtes là, il a signé franc-maçon. Il est sorcier. Il est quoi. Mais nous, on a toujours un lui. Il est franc-maçon, non, des francs-menuisiers. Il est franc-maçon, non, des francs-menuisiers. Non, est lui. C'est quoi ce comportement bandico là même? C'est quoi ce comportement bandico là? Vous cherchez quoi juste? Tu cherches non, non. Tu cherches non. Arrête ça, madame. Tu as une vieille mère. Quand tu es parlé, maintenant, tu dis que les pédales, ils ne respectent pas l'homme. Moi, je m'en fous, hein. Moi, je suis le ministre de la Chine. Donc, il parle de mon président. Moi, je suis obligé de défendre, en fait. On parle de mon président, quelque personne peut parler. Hein. C'est comme ça, parce que le gars n'est plus là pour répondre. S'il était là, il n'avait pas ses responsabilités, mais il n'est plus là. On ne peut pas s'y pour te regarder. Après, la seule qui veut jouer les sages, là. Ça c'est le problème. Moi, je m'en fous. Moi, il faut montrer qu'on vient d'Arafat. Apprenez à nous respecter, vous, là.
Après à nous respecter, voir les relations pépères, on est fatigué de ça. Qui vient devant nous? Nous, on s'en fout de ça. Le mois est désolé, nous, on n'a pas de trahison, nous, on sera toujours prêt pour lui. Arrêtez de nous emmerder. Voilà. Arrêtez de nous emmerder. Debono, ça fait 20 ans de carrière, il n'a rien fait de sa vie. Mais il a fait ceci dans la Côte d'Ivoire. 22 lances là, il a fait 100 ans de carrière, il n'a rien de sa vie. Mais attends, même, tu dis de faire Jésus là-haut. On a dit quoi? Tout ce qui est attaché, c'est éphémère, non? Tout ce qui est attaché, c'est éphémère. La vie éternelle, c'est chez Dieu. Donc, même si Arafat avait construit tout Abidjan, mais à ce sens, ça ne sert à rien. Hein? Parce qu'il va parler pour laisser tout ça. On est d'accord? Il va parler pour laisser tout ça ici. Le vrai point, c'est de l'autre côté. Tu dis d'abord, maison ici. Mais s'il rentre au paradis, il va voir maison là-bas. Il va me voir ici. Tout est éphémère ici. Donc, Marab, arrête de nous emmerder. Arrête de nous emmerder. Moi, je ne te connais pas. Hein. Je ne t'ai jamais parlé dans quoi que ce soit. Moi, là, moi, je suis le ministre de la Chine. Tu dis président, dis ministre. Si attends, non, de mon président quelque part, je suis dans ton sang. Voilà. C'est ça qui est mon rôle. Je ne suis même pas connaître toi, petit même. Oui. Je ne suis même pas connaître toi-même. T'as connu Dieu? Oh, mais c'est pas toi, on est assis en Gawa. T'as connu Dieu qui? Tu racontes quoi même? Quand j'ai regardé sur Jésus-Christ, par contre, derrière, tu fais des faux trucs, tu parles aux gens, tu as tout raison, tu me dis tout la vérité quoi. Tu connais rien d'affaire de Dieu même. Voilà, nous, on est nous ici, nous, on est moi, mais nous, on connaît Dieu. T'as même dit qu'on est rien que moi. Et puis, si tu fais moi, il peut te faire révélation sur toi, mais ta vie aussi. Par exemple, arrête de raconter les bêtises. Tu n'as rien de connaissance de Jésus ici. Tu m'as dit, on ne connaît pas Dieu. Tu sais, quand dit Jésus, c'est pour les chrétiens seulement. Jésus, c'est dans le Coran. C'est un chrétien, vous l'appelez Jésus. Sinon, chez les musulmans, on l'appelle Issa. Voilà, chez les musulmans, ils appellent Issa. C'est la même personne, en fait. Nous tous, on parle de la même personne, c'est Dieu, puis c'est envoyé. Donc, toi-même, là, ce que Dieu a te montré, justement, c'est que tu es au courant de ça. Tu veux raconter tes bobas, puis tu es à l'aise, puis tu penses que tu es trop question, en fait. Tu connais rien. Tu n'es pas le conscient de Jésus-Christ, hein? Moi, je dis ça directement. Je suis personne, hein? Mais je dis ça directement. Tu n'es rien de conscient de Jésus-Christ. Par exemple, Jésus, là-même, là, il est. On parle de lui dans le Coran. On parle de lui dans le Coran. Il doit revenir. Mais elle, toi, tu sais comment Jésus doit revenir? Tu veux mentir aux gens, tu veux en sorte pour raconter la connerie, par exemple, t'as envie de parler. Toi, tu connais Jésus? Tu connais ce qu'on appelle réincarnation? Tu sais ce qu'on dit, Jésus doit revenir? Tu connais l'histoire? Toi, tu connais l'histoire? Bande de rageuse négée. Et les gars commencent à démarrer. Hein? T'as quoi Jésus? Jésus va revenir sur la terre. Mais tout est écrit dans le Coran. Hein? Même d'avoir Bible, c'est écrit. C'est écrit comment il doit revenir. Oh, mais tu n'es pas au courant de ça. Si Jésus revient, c'est la fin du monde. Oui! Tu ne connais pas Dieu que nous, hein, périssons. Quand Jésus revient, c'est la fin du monde. Toi-même, tu as ça fait plus de combien d'années? Ça veut dire combien d'années tu es là? Qu'est-ce qui a changé? Tu fais quoi? Toi-même, tu parles pour dire que les gens ne sont pas conçus là-haut. Tu as quoi dans ta vie même? Faut qu'on soit habitué à nous montrer. Tu donnes un psychobois là-bas, tu viens brûler les gens. Toi, tu donnes un psychobois. Toi, si tu as venu, quand tu fais les gens, à la fin, tu n'as pas construit. À la fin, maintenant quoi? À la fin, quoi, maison? Mais si tu dois au marché, nous, on est lui. Mais à la fin, tu dois au marché, nous, on est lui. Voilà. Mais si tu donnes un canouveau, nous, on est lui. Oui! C'est ça que vous voulez faire comprendre, non? Il n'a rien dans son compte là. Nous-mêmes, les Chinois, on continue à lui donner. Il doit marcher, non pas dormir sur la table aussi. On est lui. Il met la poubelle, non, met la poubelle, est lui. Oui! C'est ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Parce que vous faites les petits bandicots, c'est pourquoi il s'est découragé de lui. Mais vous-même, vous ne connaissez pas, hein? Mais ils ont causé Satan. Moi, il n'y a pas de causer Satan aussi. Parce que Arafat n'a pas de causer Satan. Il n'y a même causé lui. On vous a dit que c'est un degré de sentimental inaffognable. C'est l'amour qu'on ne peut pas expliquer. Avec le chinois Arafat. Donc ne vous amusez même pas à rentrer dans ça. Donc, c'est une information pour toi. Et puis tout est. Vos révélations là. Vous ne pourrez rien faire pour nous enlever Afid Arafat dans notre tête. Vos révélations là, gardez ça pour vous seul. Nous n'avons pas besoin de ça. Le mot est décédé. Tout un chacun sur la terre va mourir. Tout le monde va partir rencontre à Dieu. Donc là, nous on vous demande pardon. Hein? Jusqu'à aujourd'hui là, la mort d'Arafat, nous on n'a pas envie de digérer. Tu comprends le délire, non?
Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fini de dire. Donc arrêtez de vous embêter. Hein. Moi, piquer quelqu'un. Hein. Il y a piqué quelqu'un. Vous me connaissez même. Quand on dit mon frère, d'abord, vous pensez que c'est de la bouche. Quoi. Mais il ne peut pas se relever. Mais il ne peut pas se relever. Quittez-nous chez moi. Laissez-nous dans notre chinoiserie. On n'a pas fait la foule. Laissez-nous dans notre tranquille. Nous, on a développé notre système pour promouvoir notre artiste. Quittez-nous chez moi. Par exemple, comme ça, papier avec les gens, c'est pour vous dire qu'ils sont impolis. Mais vous voulez nous provoquer. Arrêtez de vous regarder. Tu t'attaques à la Chine, t'es sud. Fais ce que tu veux. Je vous ai dit ça depuis, vous n'avez pas compris. Hein. Fais ce que tu veux dans ce monde. Tu t'attaques à Jarafa, nous, t'es pas bien. Si tu le fais respecter, tu restes à ton coin. Ici, là, c'est les gamés. Dans notre tête, là, c'est Daichi. 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 Vous ne pouvez pas comprendre ça. Faut être fanatique de Jarafa pour comprendre, pour connaître le sentiment. Bande de rageuses, nég. Bande de rageuses. Courir que dans ce pays, c'est blanc et seul. Ouais, il a fait, il doit son succès satanique. Ils ont proposé de coucher avec sa maman. Il a refusé. Il a voulu ne rien faire avec son argent. Tu as vendu 200 millions, toi? Elle est envoyée là-bas même. Tu parles dans une compteur pour te promener. Quand il vous envoie 200 millions, tu peux avoir ça? T'as quoi même dans ta vie même? Toi, mais t'as quoi? Toi, mais t'as quoi? Tu n'as rien? Toi, tu n'as rien comme nous, toi, si tu parles. Nous, on a quelque chose que toi. Tu cherches, non? J'ai vu ton live avec ma gosse. Hein. T'as dit que tout le monde aime se faire voir. Non, hein? Faut que tu aimes te faire voir. Nous, on fait quoi, non? Nous, on a été fait, non, fanatique de DJ Arafat, qui cherchait, non? T'es non, non, les données. Comme tu disais que non, la Chine est là, et si tu attaques au président, on veut te répondre. Donc, c'est ton travail. T'as beau t'en négé. T'as beau t'en quoi négé. Toi, le jour, tu restes à des bandicons là. Le jour que tu. Mais si tu ne disais pas encore repenti jusqu'à ton dernier jour là, c'est pas bon, hein, champion. C'est pas bon, hein, moi je dis ça clair, clair. Parce qu'arrête de blaguer que tu es Jésus-Christ de quoi que ce soit. On dirait dans ta folie. Nous, ça nous fait rire en fait. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui t'a blagué, puis tu déçus la personne. Tu n'es pas Jésus, hein. Voilà, moi je dis ça clair, clair. S'il est en tournée avec toi, moi je dis. Tu n'es pas Jésus, hein. Jésus va revenir, mais c'est pas toi. Voilà. Jésus va revenir, mais c'est pas toi. Il était, hein. Jésus revenait, c'est la fin du monde, c'est fini. Nous, on a assis sur nos croix de quelque chose. Donc arrête de venir nous emmerder. Maintenant, quand tu restes dans ta folie, là, s'il te plaît, faut tout faire. Faut éviter Arafat et puis faut éviter la Chine. Sinon, on va pas s'entendre. Donc, c'est la dernière fois que tu fais la révélation par des cons. Sinon, prochainement, quand il fait ça, c'est pas bon, hein. Attends là-bas. Non mais, je sais pas, quelqu'un assis chez lui, on ne demande rien, tu veux de jouer les révélateurs. On t'a rien demandé. On t'a pas demandé quand on veut savoir s'il a fait quelque chose ou bien n'a pas fait quelque chose. On t'a rien demandé, nègre. Il y a beaucoup de personnes qui sont vivantes ici. Parlez d'eux. On a mal. On n'a pas encore fini de gérer ce mal. Vous venez ajouter pour vous encore là-dessus. C'est quoi le problème en fait? C'est nous les gens là, on doit les parler de DJ Arafat, on a le droit de faire tout notre mouvement avec lui. Vous la quittez là. Tu sais, faut mettre dans la tête qu'il a fait quelque chose, et puis il faut garder ça pour toi seul. Faut pas mettre ça sur la toile. Parce que si tout le monde s'était pour te regarder là, tu vas penser que les gens te tuent trop la vérité en fait. Moi, pas qui m'en dis pas à l'aise, hein. C'est pourquoi moi, il n'y a plus mes responsabilités pour venir te parler. Tu n'es rien même. Et puis tu peux rien faire. Voilà. Tu n'es rien même. Moi, je crois en Dieu. Moi, j'ai un gros musulman. J'ai fini de prier tout à l'heure d'abord avant de venir garder. T'as une femme qui ne respecte pas. Quand venez-vous manquer la soirée, tu dis que les enfants sont polis. Tiens, moi, c'est un poli, mais t'es si poli. Pour moi, c'est quoi? Une vieille grosse appartement de respect. Tu ne comprends pas la parole, tu manques de respect. Oui. Destruction, nigga. Non, elle a gâté mon cœur, c'est pas possible, quoi. Dieu m'a. Faut le dire même, c'est pas qu'il doit occuper. Dans un coin, un peu. Doit tellement manquer de choses. J'ai fait une petite vidéo maintenant pour envoyer. Laissez le Dachigan tranquille. Laissez le Dachigan tranquille. Laissez. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris. Eux, ils ont enlevé Dachigan dans leur bouche. C'est toi qui veux chercher non maintenant. Mais ton nom que tu cherches là, tu as mal choisi à la fois en fait. Va pas chercher non ailleurs.
Et puis moi, je fais une révélation. Elle disait que ma gosse cherche à te m'appeler même. Disait ça. Ça, c'est une révélation que moi, je te donne maintenant. Ma gosse cherche à te m'appeler. Ça, c'est une révélation qui vient d'arriver. Oui, il faut lui donner l'occasion, t'as pas croire. Qu'elle va mettre un pou, ta négation, ça qui est dans ta tête. Par contre, t'es un peu bizarre. Il va mettre un pou dans toi, là, tu as été ressaisi. Bande rageux. Makoso, désolé, hein, mais c'est la révélation. Non, la monnaie, tu as révélé aussi. Tu n'es pas garçon, moi je suis garçon, donc j'essaie de quoi te parle. Si t'as attrapé, t'as confirmé ça. Nagi mine, non? Non, mais arriver à ce moment, ça suffit quoi, tu vois. Tu es dans ton coin, tu n'as pas envie de parler, tu veux parler. Moi, je ne peux pas m'asseoir, puis en fait, la fois, je mettais pour la personne, une fois que tu veux, tu parles à la fois, moi, tu es maudit, un nègre. Tu parles à la fois, moi, tu es maudit, un nègre. Il n'aime pas ça. Nous-mêmes, on est là, même en train de souffrir, même en train de réfléchir, matin, comment il faut promouvoir le moral, comment il faut faire, comment il faut développer, comment. Non, tu viens t'asseoir pour venir raconter la connerie. Et puis, des gens, non, tu laisses. Avec tes faux cheveux qui sont sur ta tête là. Jésus parle perruque. Depuis quand Jésus parle perruque. Faut prier Dieu même. Le jour d'un revue là, faut prier Dieu, faut pas t'en retrouver sur la tête ici. Parce qu'il va me te montrer ici là, t'as à comprendre. Quoi Jésus? T'as encore Jésus toi? Et puis elle dit les trucs, elle est confiante. Et puis, eux aussi ils sont assis, ils sont de la regarder. On peut pas chier pour elle. On parle de Dieu, le fils de Dieu. Jésus-même, il a un problème là-bas. Jésus-même là. Quand tu parles que tu es Jésus, Jésus-même là, il a un problème là-bas. Il a problème, parce que lui-même serait jugé aussi. Lui-même serait jugé. Et vous n'avez pas écouté. Donc nous là, on a assis, on a nous aussi. Hein, mais avant de Dieu là, c'est tout le monde. Hein. C'est pas parce que tu es responsable, c'est pas parce que tu es imam, c'est pas parce que nous, tu es drogué. Tout le monde connaît Dieu. Hein, tout le monde sait que Dieu existe. Donc, histoire de Dieu là, tout le monde connaît. Si tu m'énerves, mais il te dit comment tout doit se passer. Parce que je connais toute l'histoire. Toute l'histoire, je connais. Comment Jésus doit revenir? Pourquoi? Tout le monde dit Jésus va revenir. Mais il ne vient pas parce qu'il faut venir. Hein. C'est ce que vous oubliez. Il ne vient pas parce qu'il faut venir. Il y a un moment qui s'est passé. Il a laissé un message. Et puis il est parti. Les gens n'ont pas suivi. Est-ce que tu comprends? Il a laissé un message. Les gens n'ont pas suivi ce message. Donc il revient maintenant. Parce que là, les messages qu'il a laissés, les gens n'ont pas compris. Donc, il revient maintenant pour venir régler ça. Parce que sinon, s'il ne vient pas régler, lui-même, il a un problème en haut là-bas. Voilà pourquoi il vient à la fin du monde. Pour venir vous dire, il vous a laissé ce message, vous n'avez pas suivi. Nous, tous, on a un problème. Donc, allons maintenant partir régler. C'est ça. C'est le vrai de pourquoi il doit revenir. Donc, si toi, tu étais Jésus là, tu étais venu régler et puis nous, tous, on montait. Donc, t'es une menteuse. T'es une menteuse. C'est pas qui t'a blagué, mais t'es une menteuse. Voilà. Maintenant, ce qui me fait rire dans cette histoire, vous êtes crié. Moi, je vous dis, Arafat ne peut pas le juger. Il a fait ce qu'il avait fait. C'est lui et sa conscience entre lui et Dieu. Mais, moi, je vous dis, tous ceux qui veulent faire la révélation sur les réseaux sociaux, lui qui dit la vérité, si moi je vois qu'il a dit la vérité, moi je le soutenir. Parce que nous tous sommes au courant d'un mouvement. Lui qui a fait la sortie de la révélation, quand il va faire sa révélation là, quand il sait qu'il est dans la vérité là, moi je le soutenir. Mais pour l'instant là, vous tous qui veulent faire la révélation là, vous êtes à gauche. C'est une seule personne qui est venue parler sur les réseaux sociaux. Et puis, je l'ai soutenu légèrement parce qu'il était dans la vérité en quelque sorte. C'est le pasteur là. Le pasteur qui disait qu'il voulait réussir Dieu Arafat là. C'est lui. C'est le seul qui teste la vérité. Mais vous dites ça directement. C'est le seul qui teste la vérité. Et puis, moi, déjà, s'il partait là, si moi, je ne sais pas levé. Voilà, je m'en fous. Ils savent pourquoi ils ont empêché. Ou pas que c'est les gars, ouais. Ou pas que c'est les Gawa. Ils savent pourquoi ils l'ont empêché. Parce que s'ils partaient et que les Mois se livraient, c'est qu'ils avaient une dernière. Ils connaissent les conséquences.
Donc, je n'ai pas envie de parler parce que si tu avais fait ta révélation, puis tu avais dit la vérité, il allait venir te soutenir. Mais ce que tu avais dit, c'était un sujet. Voilà, donc, ça, toi, là, c'est pas vrai de Jésus. Depuis quand Jésus parle de Paul d'abord, Jésus, que nous avons vu son film, il a un vrai cheveu sur sa tête. Hein. Tu as dit pas de périls gawa de 2 à 10 francs là. Pour venir bouger les gens sur les rues sur le parquet, Dieu devait voir. Pourquoi vous avez refusé le pasteur qui n'a pas arrivé à la fin? Parce que le pasteur allait s'élever. C'est ça qui est le problème. Si le pasteur allait s'élever, hein, moi je dis ça à tout le monde, c'est pas fait des musulmans chrétiens. Si le pasteur là, il allait s'élever, ils sont pour qu'il l'empêche. Ça me fait mal aujourd'hui. Ils sont pour l'empêcher. Voilà. Hey! Hey! Une vieille gawaise qui pète un cap chez elle là-bas, vient s'asseoir sur les réseaux pour raconter des conneries. Et puis nous, on doit accepter ça. Hé! Hey! Tes révélations, ça part de mon anus. Voilà. Tes révélations, ça part de mon anus. Viens pas nous embrouiller ici. On veut rien savoir. Le gars, il a décidé, c'est fini. Et là, désolé, là, c'est fini. Tes révélations s'en fout de ça. Toi, et puis il y a une vieille sur YouTube comme Marie Djedjo, mais je ne sais pas quoi là. Elle là même là. Je ne sais même pas comment ça se passe. Elle même, elle pète un câble, elle parle seule. Ça rend compte. Alors, il faut voir les révélations de vous. Toi, je dis t'es Dieu. Elle que Dieu lui parle. Mais, c'est quelle histoire ça là? Toi, dis t'es Dieu. Elle a dit là-bas que Dieu lui parle. Donc, c'est quel Dieu en fait? Quand Dieu lui parle là-bas. Pourtant, vous ne connaissez même pas. Mais elle dit que toi, tu dis Dieu. Elle a assis là-bas et que Dieu lui parle. Il n'est pas envie de rire. Mais arrivez à ce moment, vous vous foutez de nous en fait. Toi, tu dis que c'est Dieu qui veut l'arriver. Elle a dit que c'est Jésus qui lui parle. Hop là, Jésus en Côte d'Ivoire ici. Ah! Jésus ne me parle dans l'esprit. Jésus est venu physiquement. Mais qu'elle a physiquement, elle a physiquement. Pourquoi vous ne croisez pas pour parler? Pourquoi vous ne croisez pas pour parler maintenant? Hein, vous ne connaissez plus. Tu dis à la fois des coins, coins. Ouais, ils ont fait. Ça, c'est son vœu personnel. C'est son vœu personnel. Quand ils me fient de tout le monde, quand ils se promènent là, c'est son vœu cela. Il prend, il boit partout. Ouais, le vœu personnel. Je bois dedans. Pillant. Si c'est pour aller chez Satan, nous ne sommes pas de là-bas. Brr! Tu vois, non, il y a tout bu. Tout! Il y a boire dedans. Pillon. Jusqu'à la vie, il veut boire dans ce verre-là. C'est le verre du Daichi, garde personnel. On a besoin du verre Daichi. Quand il vieillit, il veut donner ça à mes enfants. Ça veut dire que ça va exister pour toute la vie. C'est de génération en génération. Mon enfant va boire. Il va donner ça à autre. Il va donner ça à autre. Parce qu'après, je vais me marquer dessus. Daichi, garde. Oui. Ça, il y a ça personnellement. Après, il y a un autre qui est dans ma valise là-bas. Voilà. Il veut boire dedans, hein? Si c'est pour ça, nous tous on va pas chez ça. C'est qu'il va partir de ça en ce moment, il va boire dedans. Voilà. Ça, il gère des actes et puis il met ça devant ton corps. Bandit rageuse, nigga. Ouais, c'est son vin, non? Vous voyez son vin qui buvait tout dedans. Voilà, c'est ici. Voilà. Voilà le vin là ici. Il va boire dans pion. Après, nous sommes pas chez Satan là-bas. On va l'expliquer. Voilà. Donc, c'est un sentiment, il n'y a pas mot pour décrire, c'est de l'ignafognabilité. Ignafognabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire le sentiment qu'on a avec Didier Arafat. Ça vous fatigue. Ça vous fatigue. C'est qu'elle a dit les décisions, n'est-ce pas? C'est la même chose. Avec Arafat, ça n'a pas commencé. Parce que les projets, ils sont derrière là, c'est Digba. C'est le seul artiste. Hein? C'est-à-dire qu'on les fait vivre, non? Hein? Éternellement, quoi. Ça veut dire que c'est tout dans l'actualité parce que nous on est là. On va toujours embrouiller les réseaux sociaux comme s'il était là. Des gens qui ont mal, qui n'arrivent pas à gérer les mal. On ne croit même pas à la mort de ces derniers jusqu'à présent. Et vous venez vous asseoir pour raconter un coup de bande de cons. Mais la vie, quand c'est la première fois que tu as Zahé là, moi je viens de parler à mot dosé. Mais, si tu t'amuses encore,
a fait les révélations aux bandicons. Quand il est sorti, tu n'as pas à croire. Le meilleur ministre de tous les temps. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais après, j'étais trop énervé en fait. Parce qu'ils aiment trop fatiguer les gens. Laissez les gars là. Laissez les gars là. C'est Dieu qui peut les juger. Toi-même, tu veux faire une version. Toi-même, tu vas les juger demain. Donc, toi, tu ne vas pas venir juger quelqu'un. Toi-même, tu vas juger demain. Toi, tu vas juger quelqu'un d'autre. Quoi, Jésus, quoi, Jésus, quoi, réincarnation. Tu te blagues. Faut pas faire des pas de Jésus. Hein. Nous, on connaît le courant. Hein. Jésus, là, on parle déjà en courant. Hein. Donc, c'est pas toi, tu connais Jésus. Parce que je ne sais pas, tu n'as pas dit dans quelle histoire. Et comme tu connais un peu des trucs dedans, tu prends ça pour mettre ça sur toi. Sinon, tout le monde connaît Jésus. Nous sommes pas parler pour Jésus. Par contre, on connaît toute son histoire. On connaît toute son histoire. On sait qu'il doit revenir. On sait ce qu'il va venir faire. Donc, on peut mentir si on connaît Jésus. Dis aux gens ce qui doit se passer. Aïe. Je suis musulman. Fier d'être musulman. Jésus là, il s'appelle Issa. Ah, musulman en fait. Et à chrétien, c'est Jésus. C'est la même personne. Donc nous tous, on connaît la même personne. Jésus m'a avant de partir. Madame, j'ai fait cette. Il a reconnu les chrétiens, ses familles. Il a lui dit ce pays du gars pour que ça lui porte conseil en fait. Jésus, il dit, je m'en vais. Il y a un dernier prophète qui doit venir. Il y a un dernier prophète qui doit venir. Et ce dernier prophète là qui vient là, toute l'humanité doit le suivre. Toute l'humanité doit le suivre. Et ce dernier prophète là, c'était qui? Notre prophète, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est le dernier prophète. À part lui là, personne d'autre. Et mais, avant qu'il va partir, ça veut dire que les gens étaient d'agamé. Et donc, les gens n'ont pas vite compris son message. C'est ça qui est devenu chrétien musulman. Soit normalement, on devait être un. Si Jésus était là, tout le monde était chrétien, tout le monde devait être chrétien. Quand Mohamed venait, tout le monde devait être musulman. Mais avant qu'il va partir, c'était déjà trop tard. Les gens ne voulaient pas comprendre, les gens ne voulaient pas accepter. C'est ça qui est devenu aujourd'hui chrétien musulman. Donc lui-même là, il a un problème de ça en haut là-bas. Donc comment ça s'est passé? Jésus même doit revenir au dernier jugement parce que les gens sont tellement égarés. Donc vers la fin du monde, le doyen des païens, il t'explique comment Jésus doit revenir en fait. Il revient d'asseoir pour mentir aux gens. Le doyen des païens, tu sais il y a les païens qui existent non? Donc le doyen des païens là, quand lui va revenir vers la fin du monde, c'est il va venir tellement torturer les gens parce qu'ils sont tellement égarés. Hein? Et c'est dans ça maintenant Jésus lui vient. Voilà pourquoi on dit il vient pour sauver l'humanité. Lui vient pour sauver les gens en fait. Pour mettre fin à ça. Et quand il finit ça, tout le monde de l'autre côté. Et puis ça fait le jugement. Donc si toi étais Jésus que tu venais là, ça devait nous trouver que non, le monde arrivait à un autre niveau où tout était gâté. Où le doigt des prêtres était là et puis tu étais tout gâté. Puis tu venais pour venir sauver l'humanité. Mais toi même tu étais bien recouché. Tu te rends aussi qu'au bois, tu luttes, elle nous aussi. Tu n'as rien de ta vie comme nous aussi. Nous, on se débrouille, comme toi. Tu fais ça pour mentir aux gens. Quoi, Jésus, arrête de blaguer, madame. Arrête de blaguer. Moi, je dis ça pour toi-même. Hein. Moi, je ne suis pas dans le moment de Dieu. Je ne suis pas là pour parler de Dieu sur les réseaux sociaux. Sinon, nous sommes de Dieu. Hein. Moi, mon grand-père était imam. Mon grand-père était imam. Ça, il te dit ça clair, clair. Donc, après, Dieu, moi, je connais même. Il y a ce qu'on connaît sur les réseaux sociaux, puis il y a ce qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Après, Dieu, je connais même. Par exemple, mon grand-père, ça sert pour parler les gens. Il était toujours au courant d'entrer dans les dogs. Voilà pourquoi on devient petit, très sage. Quand les vieux dans les dogs, ça à côté, puis il prend tous les dogs. Des gens ont dit beaucoup de choses d'affaires de Dieu. C'est bon aussi dans mon chacun. Il n'a pas fait du mal à mon prochain. Quand tu fais tes péchés, là, c'est entre toi et Dieu. Là, le jugement dernier, il peut censer. Mais. Quand vous faites du mal entre vous, arrivez de l'autre côté là-bas, même si Dieu rentre au paradis, qu'il veut s'arrêter pour que nous devons faire quoi, il n'est pas prêt pour qu'il rentre. Voilà comment le jugement de Dieu serait compliqué. Sinon, Dieu là, il n'y a pas plus miséricorde que lui. Il n'y a pas plus amour que lui. Lui, pardonne. Tu lui as fait quelque chose, tu lui demandes pardon, il laisse. Mais entre vous même là, il n'a rien à voir dedans. Et c'est ça qui va compliquer les gens au jugement de Dieu. Et comment ça débute dans ça? C'est pourquoi je n'aime pas faire du mal, j'aime être dans mon coin. Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Il n'y a pas de faire du mal aux gens. Et puis après, demain, ça va me porter préjudice. Mais c'est dans mon coin. Vous n'avez pas compris. Ouais, moi, quelqu'un me fait du mal. Il peut me faire du mal aussi. Mais il peut faire garder, puis c'est dans mon coin. Brrr. Donc, madame, si tu as des ressources,
comme Dieu l'a toujours dit, n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc tu as tout le temps de te ressaisir, ou de te mentir, ou bien de chercher nos sur Facebook, parce que tu veux te donner un genre. Parce que tous les sujets dans sur Facebook, il faudra que tu envoies un sujet bande con, sous peut-être que nos gens te reconnaissent, je suis pour qu'on te regarde. Mais, justement, un peu quelqu'un, ça y a. Elle va faire, il y a les affaires de mon Jezeli. Comment qu'elle va vous asseoir pour dire que le paradis et l'enfer n'existent pas? Tu parles aussi, le paradis et l'enfer n'existent pas, mais le monde serait comme ça. C'est parce que l'enfer, le paradis existe, que la terre existe. Dès qu'il y a eu la création de l'enfer et le paradis là, c'est pourquoi la terre existe. Si le paradis et l'enfer ne devait pas exister, c'est qu'il n'y aura jamais le monde. Parce que les deux morts existent au paradis, non? Normalement, tout ce devait être au paradis actuellement. C'est dès qu'ils ont commis le péché net, Dieu nous envoie ici. Mais lui qui fait bien, il va au paradis. Lui qui fait mal, il va en enfer. Toi, tu veux la soirée gardement, quoi. Toi, tu connais Dieu? Bande de rageuse, nègre. Faut pas qu'elle voit la suivre, hein. Moi, je vous dis directement. Pour dire qu'elle est la vérité, elle ment, hein. Elle connaît rien. Elle se fait des imaginations, puis elle parle. Tout le monde fait des imaginations. C'est comme si quelqu'un faisait la soirée pour dire. Ouais, si le monde n'existe pas, si Dieu n'existait pas, qu'est-ce qui serait là? C'est bidon. Et c'est ce qu'elle fait. Elle s'est fait des imaginations, puis elle veut raconter quelque chose. Tu ne peux dire rien sur Dieu. Il a dit que c'est le prophète, non? Il a dit ça. Je suis le prophète. Faut t'amuser de faire des révélations, t'as pas quoi. Si tu crois pas là, toi, moi, quand je fais révélation, si Arafat, là, moi, je fais révélation sur Arafat, puis ça s'est réalisé. Hein? 4 mois avant la mort d'Arafat, j'ai fait une vidéo là où j'ai tout dit. Et après les 4 mois, ça s'est réalisé, non? Après sa mort, ça s'est réalisé. Et bon, il voit le commandant, dit non, que Jean, tu es un prophète. Je ne suis pas un prophète, c'est un seul. Voilà. Il ne faut pas faire des révélations sur ta vie ici. Oh, ouais, l'homme des. Bon, bref. En tout cas, je ne suis pas content. Je ne suis même pas content. Et puis la Chine. Quand elle attaque Arafat comme cela, il faudrait que tout le monde soit motivé hein, à boycotter cette personne. Allez signaler sa page. Parce que l'objectif, c'est de toujours frôler le nom de ce dernier pour toujours avoir nom. Pour toujours avoir nom. Donc quand quelqu'un fait ça, quoi, là, on entend de la personne. Là, ils vont laisser tranquille. Prophète Ban Ki-moon, c'est en train de l'embarder. Sois béni, mon fils. Sois béni, mon enfant. Sois béni. Ouais, mais ce nom-là, ça ne peut pas trop bien. Hein? La Chine, c'est comment? Il prend ce nom-là ou bien... Hein? Le prophète Ban Ki-moon. Le prophète Lampadaire. C'est bon dit! Bon, la Chine, c'est vous qui décidez. Il prend le prophète ou bien, c'est comment? Parce que quand il active le côté prophète, ça fait que les révélations vont s'activer. Hein? Et je vais vous faire des révélations. Moi aussi. Non, je vais pas prendre le nom prophète. C'est pour lui seul. Donc, on laisse à quoi? Bon, je vais laisser cette. Quelqu'un qui se blague sur. Toi, tu laisses des problèmes. Voilà, la Chine. Il a mis la légalisation de la Chine et de la Fondation. Ça, c'est deux gros projets actuellement de la Chine. Voilà. Donc, soyez sereins. Le nom de sa page, je ne connais pas le nom de sa page même, je n'ai rien à foutre de toute façon. La légalisation de la Chine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un document officiel. C'est-à-dire qu'on est certifié mondialement. Avec ce document-là, même si on veut croiser Macron, on peut le croiser. Peu importe qui on veut voir, on peut le voir. Par ce document, voilà pourquoi on a dit la légalisation. Vous avez vu que maman Tina même a posté, demain elle va faire un direct pour s'adresser à la Chine. Et tout ça, expliquer un peu. Donc, c'est un vrai projet. On préfère ça que les gens qui ont fait ça pour nous embêter. Soyons concentrés. Ils ont fait, par exemple, pour tuer notre artiste, tout ça pour l'enlever de l'actualité. Donc, nous, on doit leur montrer que là, l'amour n'aura pas l'amour. Et nous, on est toujours prêts pour lui. Donc, c'est nous, on doit développer parce que Arafat, il ne peut plus rien faire. Donc, je demande à tous les Chinois, hein, ouais, la maman, tu dis de t'appeler. Si tu t'appelles là, les gens ne vont pas attendre à faire le pareil. Je ne sais pas comment ça se passe, mais quand on fait l'appel vidéo, les gens n'entendent pas, ça coupe le son. Tu vois, donc. T'inquiète pas. La semaine prochaine, je dois aller voir la maman des enfants là. La journée Ézéchiel. Donc, je suis prêt pour aller, je vais t'appeler. Parce que actuellement, je ne suis pas à Paris, tu vois, non. Donc, je les ai appelés avant-hier.
Il a dit qu'il va passer là-bas le week-end, samedi ou dimanche. Je vais te donner au courant. Là, comme ça, on va partir ensemble. Voilà. Tu vois un peu les gigas, non? Et je vais passer maintenant voir la famille pour les organisations du 26 janvier, de comment ça va se passer et tout. Donc, t'inquiète pas, je vais t'appeler, on va faire tout ensemble. Par une fois qu'il m'a apparu, mais je le tout, et puis après, je vais me cacher dans mon coin. À tout moment, il a laissé parler parce qu'il y a tous les moments. Il y a tous les oreilles, il y a tous les trucs qui se passent. Donc là, je suis venu me cacher dans un coin tranquille. Je ne vais pas faire à quelqu'un. Je fais mon petit bara en piste. Là, même, j'ai un peu faim d'abord, mais j'ai chacré quelque chose, même si ce n'est pas bien préparé. Tiens, vous, les Chinois, là, même, là, même, là, même, là, même, là, même, là. Je suis seul ici, mais il n'y a même pas quelqu'un pour me préparer pour moi. Les Chinois, ça dégarez vous, hein. Je suis là, même, il y a faim. Comment vous pouvez laisser vos ministres dans la faim? Tout est là. Après mon délai, une chinoise regarde dans mon PV, t'as venu préparer pour moi la maison. Sinon, dès qu'il y a fait, pour vous babou aussi. Quand il part, quand vous êtes content, non. Mais le mois a fait maintenant. Des instructions, négé. Nous avons besoin d'administrateurs. Voilà, donc, dame, je vais t'appeler ma voix en direct, mais je n'ai pas pu. De toute façon, ça va se faire. Quand on va se voir, on va faire un direct où on va sortir ça à la Chine. Tu vas dire comment là, tu vas mettre ton WhatsApp, ils vont mettre ton WhatsApp, puis tu vas régler ça là-bas. Hein? Donc, ne t'inquiète pas. Trop zinzin. Ouais, mais tiens, il y a faim. Moi là, on peut m'intéresser toujours moyen. Lui qui m'intéresse, moyen sur moi. Toi, c'est ta mort à dégarer. Moyen quoi? Non, laissez ça. C'est toi qui est parti. Et puis, m'a dit madame Mirisoua. Moi je t'aime. Ah, non, tu m'aimes quoi, hein, Berisset? Si tu m'aimes là, tu vois, moi, fin, tu vois un peu les gigas, non? Donc là, tu rentres dans mon PV, puis tu viens préparer. Voilà. Après, maintenant, tu parles de sentimental. Tu vois un peu les gigas, non? Donc, ma chérie, à toi de voir. En tout cas, c'est la fin d'abord. Sentiment, ça part de mon anus. Brrr. Donc, l'allégation, c'est de la Chine et la Fondation. C'est les deux têtes de la Chine actuellement. Je suis en train de me débrouiller pour que la grand-mère vienne par ici. Elle va venir avec maman Tina et puis ben, la conseillère là. Ils vont venir comme ça, mettre tous les pendules à l'heure. Ça n'a même pas commencé. C'est pourquoi ils ne veulent même pas que les gens viennent nous déranger dans nos mouvements. Donc on les laisse tranquille. En développer notre système. Voilà. Vous, en développer notre système. Parce qu'il y a beaucoup de projets. Quelquefois les gens connaissent quoi. Il y a beaucoup de projets. Quand moi j'arrive à Bidjan, là, tout est gâté. Oui. La Chine. Voilà, l'ambassadeur va venir. Les petits oiseaux qui font grand grand. Lui, gars, ça me pour pas se libérer. Tu peux m'épouser. Ah, Périssé. Épouser là-là. On peut pas épouser comme ça. Hein? Faut laisser ça. Il dit avant moi, il a fait. Quand il a fait comme ça, il ne comprend pas français. Tu vois un peu le délire, non? Ce n'est que la première partie. Ouais, c'est la première partie. Et ça, c'est le début. Voilà, après le dernier. Voilà. Après, le lien de la page, là, tu m'envoies. Je vais publier ça. Hein? Je t'envoie, tu es ici, tu es déjà au coin Abidjan. Tu peux pas faire un vol pour envoyer. Hein? Tu peux pas faire un vol pour envoyer. Ministre, moi j'ai envie de te croiser, mais tu n'es plus à Paris. Donne-moi ton numéro. Faut patienter. Moi, ce que tu vas te répondre ultérieurement. Non, j'ai cherché des numéros. Par exemple, numéro m'a brouillé trop. C'est-à-dire que. Mais les Chinois, là, même là, je ne sais pas si c'est. C'est moi sur le sujet là, ou bien. Ou bien les Chinois, vous ne les envoyez pas un message. Ah, tiens! Non, ce n'est pas possible. Monsieur Jesse, oui. Ma page, là, c'est rempli. WhatsApp, même, on n'en parle pas. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde en disant non, il se prend. Mais là, où est mon WhatsApp? C'est comme ça. T'as les magasins la nuit, comme ça, matin là. Non, c'est pas possible.
Ouais, vous avez foi de moi, il sait ça. Il sait que c'est votre idole. Tu viens quand en Espagne? Je ne vais pas en Espagne. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas que je n'ai même plus envie de voir dans ce monde. Il est là-bas. Et voilà. À cause de cette personne-là, Espagne m'énerve. Et moi aussi, Diogo Maradona qui est avec notre déchet au ciel. Oui, Maradona, tu vois, voilà, faut nous présenter qu'ils soient de nous battre aussi, mais on est toujours là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Toi, rends-moi une bosse. Qui n'a pas. C'est là qu'il a demandé une bosse, mais c'est moi qui ai demandé une bosse. Faut savoir parler au lampadaire, faut pas faire activer les bras frontières des cerveaux. C'est toi qui as demandé mon PV. Je peux avoir ton numéro, ma chérie. Il faut passer ultérieurement. Mon secrétaire va te répondre ultérieurement. Non, mais actuellement, mon digital est trop dérangé. Tu vois, non. Je ne peux pas trop causer actuellement. Donc, pardonnez. Écrivez-moi un PV. Quand je vais. Ministre, je vais préparer le placard pour toi. C'est pas ça, il fallait commencer. Il fallait commencer par là. Jemaine Kwame. Il est retenu dans nous. Jemaine. Là. Si tu n'as pas. T'as vu que c'est toi qui as dit ton nom. Jemaine Kwame. Dès que tu coupes mon direct, tu prends ton train ou bien ton itch. Moi-même, je paye. Il y a mon train privé à Bar là-bas. Il faut te prendre directement pour t'envoyer ici. Ou bien tu prends le itch. Mon chauffeur personnel va te chercher. Tu veux me préparer? Zo! Mais si tu n'as pas fait la mon projet direct d'affaires à moi, tu sais que quand il y a des marats, du coup, les résidents, non? Il y a des babouins, voilà. Mon ministre, cherche-moi un mari, s'il te plaît. Il veut dire que je suis le maire de la Chine. Je suis le ministre, maintenant je suis le maire, c'est moi qui marie les gens ici. Voilà, Isa Zoé, brillant. Il y a mon élément personnel le plus fidèle, il s'appelle le tonnerre, c'est le mec qui gronde. Tant que tu as lui là, tu dors tranquille. Tout ce qui va s'amuser, il va les piquer. Donc, tonnerre, faut rentrer dans PV de Isa. Voilà. Isa Zoé Briand. Après, il dit, vous êtes marié. Voilà. Qui quoi? Tu vas manger poisson dans le Kwacha. C'est pas fou, hein? Tu es trop bête. Et je suis le plus fou, le plus bête. Toi-même disais ça. Mon boss ne débauche pas tout. Et quand la fin, on ne calcule pas beaucoup, tu vois. Voilà. Je veux être ta femme. Ma chérie. C'est l'homme qui est assis devant lui, tu le connais. Moi, je suis un gamin, nigga. Mais actuellement, les femmes, là-même, j'ai décidé de. Parce qu'après, c'est qui des trahisons, c'est qui des trucs bêtes là. Donc, du coup, tu vois un peu les gigas, non? Donc, attends. Si tu veux marier, tu veux t'épouser, ils sont là. On s'est marié en Chine. Moi, actuellement, je suis célibataire. Voilà, c'est mon giga. Pratiquement, elles ont dû voyager mon esprit. Elles ont dû voyager mon esprit. Donc, ma chérie, il faut te calmer. Si tu veux marier, regarde mon PV, je vais chercher quelqu'un pour toi. Voilà. Comment tu vas? Je vais bien au calme. Merci à toi aussi. Salut mon frère. Salut, ça va? Mon mini cherche une femme pour moi. Voilà, ça tombe bien. Il y a une fille qui dit que moi, je la marie là. Donc, voilà. Il faut rendre son PV. Salut, premier ministre. Salut. Comment tu fais pour faire rire? Comment je fais pour faire rire? Moi, c'est pas, hein? Moi, c'est mon dégommage, donc voilà. Fais-moi signe si. Fais-moi signe si tu rentres à Abidjan, je vais préparer pour toi. Donc, tu me laisses dans la faim. Jusqu'à ce que tu rentres à Abidjan, tu vas pas me donner à manger. Moi, c'est pas que toi, tu es contre moi, en fait. Et c'est pas que tu es contre moi. Tu me laisses dans la faim. Jusqu'à ce que tu rentres à Abidjan. Ah, ma chérie! Destruction! Bonjour, ça va? Ouais, la vieille mère. La vieille mère voit tout. Mais la belle mousse dans la décision quand même. Hein. C'est quoi ce que je veux savoir?
Non, je te veux bébé. Et tiens, agarré. Il n'y a pas de problème, hein, pardon. Il n'y a pas de problème, donc faut s'y asseoir. Faut s'y asseoir. Voilà. Il a espéré que ce n'est pas une vieille. Bah après, moi, je sais pas. Arafat a créé une femme. Mais la Chine, on n'est même pas même. Fanta Coca tout de gang, je te laisse grosse baille, n'est qu'un chambou, chabelet, Awa, il doit casser au milieu, c'est les brrrra. Ouais, lui, c'est un chef. Cool. Ouais, vous avez gagné beaucoup causé. Yeah! En direct quand je vais parler là on va dire que non il y a quoi Babri. Son est là même là. Il va me faire fuir hein on va voir la fin du champion sa frère c'est tout cool mais ça fait des canaux mais c'est comment? Mon petit, il faut faire un niveau pour organiser la Chine pour faire le rajout. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Vu que t'as beaucoup de barres si ta mère t'es mariée ou bien. Mon ministre a combattu. Sorcellement parlant, mystiquement parlant, parlant dans la vidéo. La télé n'est pas mes mots pour me faire réussir. Il les a lu depuis où ça? J'ai pas bien compris. Hein. Mon menu, tu n'as pas bien gardé sur la dame là. Hein. Non! Parce que j'ai reçu un coup de fil avant le direct en fait. Il y a un vieux père qui m'a appelé pour dire ouais, quoi. Parce que vous avez la petite vidéo qu'il a envoyée là, non? Donc vous-même, vous savez que si t'es venu dans ce mode giga là, vous savez comment ça s'est passé. Mais il veut pas m'appeler, comme c'est une maman, t'attends, c'est quoi. Bon, c'est un vieux père, c'est un de mes doyens en fait. Voilà, il me respecte, donc je le respecte. Il est venu me parler, même si vous parlez, faut pas, quoi. Ouais, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'insultes. Il n'y a pas de soutien. Vous-même, vous connaissez quand il démarre, vous connaissez les résultats. Ou bien! La Chine, c'est une famille. On est même père, même mère. Bon, on n'a plus maman. Hein. Donc, notre papa, c'est Arafat. Notre maman. Voilà. Je suis tellement amoureux de toi. C'est vrai, Léon. Et arrête de même. Majérie. Amoureux. C'est vrai, Léon. Je vais te donner une mousseau qui viendra te faire la cuisine et je te masse au liseau. C'est ça. Quand vous parlez comme ça, on peut s'entendre. Hein? C'est comme ça que vous parlez au ministre. Voilà. Petit frère, bonsoir. Ouais, la mère, c'est comment? Ouais, mais la mère, toi-même, t'as barré même là. Ouais, tu dis ton petit frère a fait, il ne s'est pas préparé. Donc la mère, c'est comment? La mère, t'es pas ça, vérité. Bah, il sait qu'il ne travaille pas, donc viens me préparer pour me donner ou bien. Comment je suis votre ministre? Donc, il y a trahison en Chine. Votre ministre a fait, vous le laissez quoi?